Bien, salut les amis, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Julie. Et c'est la compagnie Cécile. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Quentin. Donc du coup on se retrouve pour faire du cache-cache sur les maps bataille. Donc je laisse Julie expliquer le principe. Donc en fait on sera... Il y aura un chercheur et il y aura un cache. Bah, il a le droit que à la boue. Voilà. Donc. Voilà. Et moi je commence son cahier. Bien j'ai essayé de récupérer toute la boue. Mais mon plan a failli fonctionner, reviens. Bah, je sais pas, c'est pas affiché. Mais une partie normale donc. Non, toi. Oh non. Je crois qu'il a dit. Il a fait. On peut manger la fiche. On peut manger. Voilà, allez, on va faire la vie. Alors, viens me chercher. Et il reste 54 secondes, il faut essayer de te dépêcher. Hein. Il arrête pas en bas, il est là, ok. Toi, je vais commencer à appuyer. Mais non, reste avec moi, mon ami. Une tapette, voilà.
Mais en vrai, c'est trop voilà. Dur. Donc ça fait un jeu. Donc ça va être mon tour de faire des chercheurs. Parce qu'en fait, donc, quand tu tapes, t'arrêtes de sprinter, donc du coup, tu perds de la vitesse. Ouais. Il s'agit de la magie du Y. En plus, c'est long, hein. Quand il fait super long. Bon, mais je pêche, c'est ma canne à pêche. Par contre, toi, tu rigoles pas. Non. Bah en fait, tu l'aurais gardé, on voit pas ton pseudo quand t'es invisible. Bien.
Non. Non. C'est bon, j'arrive. Plus on est nombreux, plus elle tarde, moins on est nombreux, plus elle arrive vite. Une fois chacun. Voilà. Heureusement que j'ai pas filmé ça. Moi j'ai des preuves. Eh bien écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien encore à laisser un petit commentaire. Et n'allez surtout pas voir la chaîne de GDX. Mais je rigole. Vous pouvez aller la voir, il fait vraiment de bonnes vidéos. Et je laisse le mot de la fin. C'est pourquoi changer les bonnes habitudes.